Eh bien bonjour tout le monde, c'est Lemmy Koopa et aujourd'hui nous démarrons la route victoire dans Pokémon Let's Go Evoli. Ça y est, nous pouvons enfin démarrer la route victoire. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, un nouveau Pokémon à attraper. T'as le maxi du match en personnage. Mais on l'aura pas maintenant, évidemment. À moins que... Ouais, non. Sale fils de pute. Ok, va te faire enculer. Au pire, vous savez quoi? Je sais que c'est con ce que je fais, hein. Vraiment, c'est sûrement le truc le plus con que je ferai, mais de toute façon, au pire, je les ferai hors vidéo, hein. Les Pokémon à attraper ou à tuer, je les ferai hors vidéo. Du coup, voilà. Clic. Je jure, je savais pas que je pouvais passer. Et merde. Bon, j'imagine que là c'était sûrement un soin. J'espère. Bon, allez, on va jouer avec le diable, mais allez, on va le faire. Comme ça, s'il nous donne des super bonbons, on est bien. Sinon, bah, on l'a dans le cul, hein. Il veut me baiser comme ça. Hein. Allez. Ça va plus jamais en finir. Hein. Oui, bien sûr. Il esquive l'attaque, mais moi, il arrive à m'enculer. Bah oui. C'est vrai, c'est logique. En plus, cet enculé de fils de pute qui spam tunnel, non mais sérieux quoi. Allez, nique ta mère, meurs, connard de merde. Putain, que ça quoi, non mais c'est décevant. Putain, t'as à me donner une bonne récompense. Ouh. Ah bah alors là ouais, effectivement ça va être cool. Et eux, c'est vrai qu'il faut que je les donne au professeur. Ouais, ça je le ferai hors vidéo. Ah quoique. Cool. Oh putain, ça va être chaud là. Après tant mieux. Hein. Cool. Ah bah ouais, là on lui en gagne. Non mais putain, il va être encore plus cheaté là, Evoli. Enfin, surtout que du coup il a gagné 10 points en tout, donc c'est énorme. Hein. Par contre, on va quand même le soigner dans le doute. Juste comme ça, hein. On sait jamais. Parce que je m'attends à ce que cette conne va m'attaquer. Et j'avais raison. Et est-ce que c'est aussi balèze que moi? Oui.
Très bien. Oh merde. Ah, par contre, ça, c'est très efficace apparemment. Et tant mieux en soi. Hop, allez, on est tranquille. Non. On n'a pas de Pokémon de type feu, du coup, on l'a un peu dans le cul. C'est dans des moments comme ça que je me dis que j'aurais dû l'améliorer en fait, Evoli, en le mettant en Pyroli. Non, le type plante il est fort contre le type eau, du coup Tortank c'est mort. Ouais, ça serait même très con de prendre Tortank. C'est peut-être la plus grosse connerie de tout le let's play. Et pourtant on en a fait de la merde. Hein. Oui bien sûr, il est paralysé. Allez. Attends, mais si on peut le buter. Je vais t'enculer le jeu. Et tu le sais que je le ferai. C'est fou comment je vais finir le jeu et je vais plus jamais retoucher au jeu. C'est waouh. Il y a des fois, il y a des jeux, malgré que je les ai finis, je les touche, j'y rejoue encore un peu pour voir la nostalgie et tout, blablabla. Mais lui, non. D'accord, mais c'est pour le mettre où? Ouais, enfin... Très bien. Allez. Cool. Par contre, le fait qu'on va devoir l'attaquer, ça m'emmerde. Oh bordel de merde. Ah qu'est-ce que ça va être relou. Peut-être qu'en finale la route victoire sera faite en deux parties. Ouais, ce serait pas impossible. Ça m'emmerde mais c'est pas impossible. Et merde. Hop, meurt. Ouais. Non, allez. On va peut-être utiliser Raichu, mais vu qu'il a plus de vie, honnêtement. Ouais, non, pas de regret, en fait. En plus, il gagne un niveau et ça, c'est très cool. Ouais, voilà. Ah, t'as gagné. Allez, dégage. Connard. Ouais. Vous voyez au point où j'en suis. Ouais, comment je... Wow. Bah, elle est vraiment foncée dessus, là, ce connard. Bon allez, pourquoi pas, hein, ça ferait quand même de l'XP si on arrive à la voir, mais j'y crois pas. 2, 3. Hein.
1, 2, 3, on ne l'a pas. Non, même pas. Allez, baisse ta mère. Alors. Étonnamment, lui, il est beaucoup plus simple à attraper. Oui, bah oui, il nous spawn dessus, bah bien sûr. Allez, ma main dans ta gueule, connard. Il était temps qu'on en ait des gaz. Il y a vraiment intérêt à ce que ce soit un truc bien, hein, parce que franchement... Parce que sinon ça va vite me casser les couilles. Très bien. Un monsieur mime. Ouais. Allez. Et toi si tu meurs, parfait. Parfait. Ah bon bah j'ai perdu, merde. Oh, c'est très dommage. Ouais, pourquoi pas. C'est pas ouf, mais bon. C'est déjà ça. Oh putain. Et oui. Espèce de pute. Qu'est-ce que c'est chiant. Trois Pokémon. Oh merde. Ok, là on est dans la merde. On n'a pas de Pokémon de type glace en plus. Très bien. Gros doudou, on va laisser donc au placement. Bien évidemment, ça affecte pas comme par hasard. Bon, bah attendez, si on peut au moins l'empoisonner, pas grave, au moins on aura fait un truc avant. Ouais. Très bien. Meurs. Allez. Voilà, c'est bien comme ça. Sinon, c'est quoi ça? Ok, un type combat. Bon. Dans le doute,
Et pas de regret, hein. Alors, tu meurs, c'est bien. Parfait. Ah putain, déjà ? Merde, je pensais qu'on... je pensais qu'il nous en restait encore, et tant mieux. Bon, allez, là, parce que je m'attends à ce que ça va vraiment être relou, sinon... Bah, attendez, déjà, vous savez quoi ? Transférer. Déjà, barrez-vous tous. Putain, le niveau qu'ils ont, quand même. Ça me fait mal au cœur de l'enlever, lui, hein. Mais... En vrai, il aurait été niveau 45, je l'aurais peut-être mis dans l'équipe. Mais là, non, c'est mort. Niveau 41, c'est mort. Putain, on a transféré des Pokémon, bordel. Ah bah là, on va l'utiliser pour lui, hein. Allez, hop. Par contre, ouais, attends, l'élixir, c'est vrai qu'on va en avoir besoin. Voilà, toutes les PP sont restaurées. Parfait. Et c'est tout, j'imagine, ouais. Oh, il m'a fait peur. D'accord, il y a une keuf. Très bien. Sérieusement. Toi, dégage, hop. J'en étais sûr. Oh, le brain de fou. Ouais. Attendez, parce que je m'attends à ce que les Pokémon vont venir nous casser les couilles, du coup. Poche à renfort. Attends, elle s'en fout. Ah d'accord. Ok, moi je m'attendais à ce que je voulais m'attaquer, mais non. Enfin, tant mieux après. Hein. Ah, c'est pour avoir la petite Pokéball. Eh bien, parfait, allez, on va aller la prendre. Après tout, non. On n'a rien de mieux à foutre de toute façon. Et puis, si ça nous donne un super bonbon, oui, je sais, je force avec ça, mais les super bonbons, c'est beaucoup trop utile. Parce que te faire gagner un niveau en 2 secondes, c'est beaucoup trop pratique. Merde! Plus il prend bien son temps pour marcher, je t'enfoirais, hein. C'est horrible. Allez. Ah bah du coup, ouais, hein, là on est à 20 minutes, ouais, ça va vraiment être en deux parties, hein, à route de victoire. À moins qu'on ait déjà vers la fin, hein, ce qui serait pas si dégueulasse que ça, du coup. Mais j'y crois pas, du coup, bon. Double pied. Intéressant. Boum. Arcanin. Ouais, on va utiliser Tortank. Allez.
Allez. Pouf. Ouais. Allez, meurs, Arcanin. Ne sera tout un petit vol. Donc, un petit Pikachu. Pardonnez-moi. Et c'est arrivé. Cool. Ah, flûte. Ah, c'est vrai, flûte. Hein. Ça m'intrigue. Ah merde. Ah bah non, c'est pour le mettre là du coup. Comme ça après on peut monter dans cette échelle, même si on aura ce mec là à combattre, ce qui va être très relou. Ouais, ça j'en doute pas que ça va être chiant. Merde. Alors. Ok, c'est tout droit. Parfait. Putain, par contre, c'est horriblement long et chiant. Hein. Vraiment. C'est grave, hein, parce que même ça doit gonfler la durée de vie hein, du jeu. Tellement c'est nul. Mais c'est nul. C'est des trucs, ça mérite même pas d'exister, bordel de merde. À part casser les couilles, ça sert à rien. Et faire perdre du temps aussi. Hein. Allez, combat, boum. Oh là là, qu'est-ce que je suis surpris. Blablabla, conseil 4. Putain, force l'accent. Zach le Pokémaniaque veut se combattre. Un excellent. C'est quoi cette merde? Je pensais que c'était à la deuxième génération que ça existait. Mais au double pied pour voir. Si jamais. Hein. Ah, c'est pratique. Parfait. Parfait. Non, mais il n'y a rien à dire, c'est parfait. Ouais. Tortank. Vous voyez, hein, pour une fois qu'il va nous servir à quelque chose, lui. Je suis désolé, hein, mais on l'a jamais vu dans le Let's Play, Floriza. En tout cas, en combat. Comment ça, il a un lumino canon lui. Foilian, allez. C'est pas très efficace, mais ça va quand même pas mal de dégâts. Hein. Même si c'est pas ouf, mais. Allez, pas mal quoi. Et un Onyx. Je sais même pas quoi utiliser contre Onyx, honnêtement. Donc. Et allez, hop, méga évolution comme son nom dans tous les cas. On peut lui faire un peu plus de dégâts que la normale. Et même si on peut le one shot. Pourquoi pas? Ça vous voyez, c'est pas con. On l'aurait sûrement. On l'aurait sûrement pas mis jusque là hein, si j'aurais pas mis la méga évolution. Du coup, pas de regret, hein, j'ai envie de vous dire. Zéro regret. Et en plus on a gagné. Donc voilà, boum. Mais j'y crois pas. Allez, casse-toi, canard. Ouais. Ah, parfait, je voulais le prendre, ce truc. Ah bah, parfait. Ah, mais c'est là où on était. Ok, deux secondes, je vais juste voir ce que j'ai à soigner. Effectivement beaucoup trop de choses.
la guérison, on va la garder. Clairement, on va la garder un peu. Non, les deux, en vrai, on s'en branle. Toi, on va t'attaquer. Comme ça, moi, voilà, ça va être fait. On espère que t'as pas beaucoup. Et merde, il en a 4. Non, c'est chier. Ok, là, Evolis, tu vas sûrement canner, du coup, tunnel. Eh, c'est pas mal, hein. On le retente. Oh, au pire. Allez. Et un autre petit météore et gagné. Contre lui, en tout cas. Enfin, le niveau 56. Putain, il était temps. Bon, bah, vous vous attendiez à quoi contre un Pokémon de type eau? J'ai juste peur du niveau du Léviator. 4 niveaux d'écart, ouais, bon, on peut tenter un truc. Et on l'a tenté. Un one shot, parfait. Tout ce que je voulais. Un Arcanin. Putain, on va utiliser tous nos Pokémon là ou quoi pour ce combat? Non. On est sûr de le niquer. Ah bah, faut se donner une sûreté, gars. Faut se mettre en sécurité. Quel enfoiré. Et là, un Tauros. Tauros, c'est le type normal. Ouais, c'est type normal. Du coup, on peut tenter un double pied. En espérant que ça le one shot, par contre. Mais vraiment en espérant, parce que j'y crois pas du tout. Ah, franchement, le one shot, j'y crois absolument pas. Hein. Mais on peut toujours espérer. Hein. Et j'avais raison de pas y croire. J'avais raison. Ah ouais, putain, là, c'est chaud. Allez, encore une fois, si on a de la chance, on lui met un coup critique. Et non. Ah bah oui, bah voilà. C'est ce qui arrive quand on est trop con. Bon, allez, roue carnage, hein, rien à branler. Bah. Yes. Ah, je l'avais pas vu venir. Non mais quel combat, tiens un cadeau. Oui bah merci mais je m'en branle. Hein. Oh putain. Je rêve où on est arrivé. Tu peux partir. J'étais vraiment coincé quand même. Hein. Allez hop ça. Allez parce que si jamais on l'a tant mieux. Évidemment, on ne l'a pas. Mais au moins maintenant, il a dégagé. Et ça, c'est cool. Et bah voilà, on y est arrivé. Messieurs, dames. Bienvenue. Oh, attendez. On sait jamais. Bienvenue au plateau Indigo. Et non, il n'y a pas eu de décalage. Entre ce que je dis et la vidéo. C'est juste moi qui étais trop rapide. Vous observez l'entrée de la Ligue Pokémon avec Evoli. Evo ? T'es prêt, allons-y, toi et moi on y arrivera, je compte sur toi. Evoli ! Va, Evoli !
Wow. Et du coup, nous y voici à la Ligue Pokémon, le plateau Indigo, la toute première Ligue Pokémon de tout l'univers Pokémon, du moins l'univers de ce qu'on connaît, hein, bien évidemment. Salut champion d'herbe, tu vas devoir vaincre chaque membre du Conseil 4 à la suite pour triompher de la Ligue Pokémon. Si tu perds d'abord, tu auras honte et ensuite tu devras tout recommencer. Allez, après ça c'est fini, alors fais bien attention, écrase-les. Bienvenue. Oh putain, là on va... Ouh. Et bah c'est surtout que là, moi je pense qu'en termes de vidéo, je vais m'arrêter pendant un petit moment sur ce jeu. Enfin, je dis ça de mon côté, hein, mais clairement, quand je tourne cette vidéo, sachez que la première n'est même pas sortie. Clairement, quand je tourne de la première jusqu'à celle-là, on est encore en janvier 2023. Du coup, il n'y a rien qui est sorti. Littéralement, on est encore Mario Galaxy alors qu'il est. Hein. Donc, oh putain, j'avais une écaille cœur, fait chier, je l'ai vendu. La Ligue Pokémon, blablabla. Putain, d'habitude, il y a un mec qui nous parle devant la porte là. C'est relou. Il n'y en a pas. Mais du coup. Vous êtes fin prêt, c'est la dernière étape. Ah, encore un effort, il faut bien. Faut bien ça pour devenir le plus fort, ouais. Et toi, tu veux bien changer un autre coco entre le mien? Tu vas être surpris si tu acceptes ça, je peux te l'assurer. Vous n'avez pas le Pokémon que recherche votre partenaire d'échange? Le pire, c'est que je suis sûr qu'on aurait eu un truc fou, hein. Ah bon, mon autre coco vaut le coup d'œil pourtant. Je vous jure que je vais essayer de le choper hors vidéo. De toute façon, je vais faire énormément d'XP. Je vous l'ai dit, je vais essayer d'arriver. J'avais dit que je vais essayer d'arriver niveau 70. Je vais le tenter, même si ça va être trop chiant. Mais sincèrement, je pense. Evoli sera niveau 70 dans tous les cas, mais les autres Pokémon, j'essaierai au minimum de les mettre au moins dans le niveau 60-65. Minimum. Parce que si je les mets tous niveau 70, clairement on est dans la merde et surtout Evoli sera niveau 80 si ça arrive. Donc pourquoi pas, mais pff, voilà. Bref. Du coup, on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Bah, à la prochaine vidéo, nous démarrons ça. De mon côté, je vais faire énormément d'XP. Ça va être un énorme bordel. Pour moi et puis surtout toute la route victoire finalement, vu qu'il y a plein de Pokémon qu'on n'a pas attrapé et même plein de dresseurs qu'on n'a pas fait et plein de Pokéball qu'on n'a pas eu, je pense que je vais tout faire, je vais tout choper, tout tuer dans mon, de mon côté, je vais tenter ça. Et du coup, et bien moi je vais vous dire à très vite pour la Ligue Pokémon. Du coup voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Sur ce, c'était les Mikoupa, à très vite pour la Ligue Pokémon. Et surtout pour le Conseil 4, il y a un truc qui est écrit ici, Plateau Indigo, quartier général de la Ligue Pokémon, la plus haute instance Pokémon. Et là... D'accord. Ouais, c'est parfait pour s'arrêter là. Du coup, à bientôt tout le monde. Et je l'espère avec énormément de nouveaux niveaux. C'est pas impossible d'ailleurs que l'équipe changera entre temps. Si je trouve des meilleurs Pokémon, je vous jure que l'équipe changera. Mais j'y crois pas. Clairement là... Du coup, voilà. Bref, au revoir tout le monde.